Juste avant de démarrer la vidéo, si tu souhaites soutenir la chaîne et tenter en même temps de gagner un drip ou un pixel, il te suffit d'aller sur mon Utip, le lien est dans la description où il s'affichera juste en bas. Il suffit de regarder une publicité et c'est totalement gratuit. Et moi, sur les deux derniers jours à chaque vidéo, je ferai un tirage au sort et la personne gagnera un drip ou un pixel et du coup, le ou la gagnante pour cette vidéo est... Mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire VIP une pote à moi, voilà tout simplement. Et bien pour ceux qui ne le savent pas, la personne que l'on va faire VIP aujourd'hui c'est Emstasy. Voilà, alors Emstasy, petit update entre guillemets. Donc en fait Emstasy, c'était dans une de mes dernières vidéos dans laquelle j'ai fait une vidéo avec elle, voilà, où elle se crée son compte, donc son compte Emstasy, et du coup si elle atteignait les 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube, qu'elle allait faire une vidéo MSP. Du coup elle a atteint les 1000 abonnés le soir même, donc merci beaucoup à vous. De toute façon je vous remets le lien de sa chaîne et tout dans la description, puisque du coup elle a fait sa vidéo effectivement, hein, elle a respecté le deal, elle a fait sa vidéo, voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner et aller voir sa vidéo sur sa chaîne. Et aujourd'hui on va la faire VIP, donc en plus de ça elle aura un petit ticket VIP peut-être à vous offrir si elle le souhaite. Et du coup bah on va faire ça. Donc c'est une technique qui a été révélée par une youtubeuse qui s'appelle Melville. Voilà, du coup entre temps je crois, il me semble qu'elle s'est fait patcher parce que maintenant elle est quand même un peu plus chère qu'à la base, mais on va quand même regarder si le prix reste quand même moins cher. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me connecter sur le compte et on va regarder un petit peu les prix. Pour cela ce que j'ai fait c'est que tout simplement le Ola VPN sur la République Tchèque. Voilà, et du coup moi je vais me connecter directement, je vais faire directement au game parce que là déjà on peut voir que le prix est à 1295, je ne sais pas la monnaie, hein. Je ne sais pas comment ça se prononce cette monnaie, mais on va aller voir et du coup on va se connecter sur son compte. J'espère qu'elle n'est pas connectée, mais sinon ça va la déconnecter, mais bon c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, hein, c'est pour la bonne cause. On va se connecter, d'ailleurs j'adore l'image qu'il y a en fond actuellement du thème, je sais pas ce que vous en pensez. Wow, ah ouais, elle a, elle a beaucoup d'amis quand même, 355, hein. Elle a beaucoup d'amis, je t'aime trop, oh. Ou Emstasy, oulala, cache des choses, hein. Vidéo aujourd'hui à 10h, ah ouais carrément, elle l'avait mis à 10h du matin, d'accord. Alors en plus il y a une offre VIP, on va regarder un petit peu ça, d'une semaine. Mais moi c'est pas une semaine qui m'intéresse, c'est quoi ça une semaine, c'est quoi? Ok, c'est le même prix pour la carte que, voilà, mais bon c'est normal, c'est normal, sachez que lorsque vous n'êtes pas VIP, le pack coûte plus de 40 euros, puisque du coup vous prenez avec, peut-être également le VIP. Du coup, vous savez quoi? Oula. Je vais peut-être, vous savez quoi, je vais mettre l'anti-bug pour faire ça, parce que du coup si j'achète le truc et je dois choisir les couleurs, parce que je vais devoir choisir les couleurs, bon j'espère que tu m'en voudras pas, je vais quand même lui demander c'est quoi sa couleur préférée, tiens. Je vais lui demander c'est quoi sa couleur préférée, pour savoir en quelle couleur je vais lui mettre son petit pack, attendez, hein, je reviens. Ok les gars, ok ok ok, je vois, je vois, je vois, donc vous voyez, vous pouvez constater que c'est 1295,64, du coup je suis allée me renseigner quand même un minimum, et du coup, déjà ça s'appelle des couronnes tchèques, voilà. Donc 1 euro équivaut à 0,037 centimes, donc en gros on va arrondir à 4 centimes, voilà, 1 euro égale 4 centimes de couronne tchèque, hein. Donc j'ai fait le calcul, j'ai mis exactement le tarif 1295,64 de couronne tchèque et nous arrivons à un total de 48,45 euros exactement pour bah, tout simplement... Ah bah tiens, ça a quand même pas mal augmenté là. Ça...
provient exactement pour un an de Star VIP. Donc il me semble que c'était 75€, c'est ça, non, normalement le VIP un an maintenant. C'est quand même 25, presque 30, entre 25 et 30€ d'économie. C'est vraiment bien. À savoir qu'avant cette technique, genre il y a 2-3 semaines, un petit peu plus je crois même, c'était 900 couronnes, donc c'était 400 couronnes en moins. Donc si on fait le calcul, c'était je crois 800 ou 900, on va arrondir à 900, c'était 33€ hein, la technique. C'était 15€ de moins il y a 3 semaines. Mais bon, bref, c'est comme ça. Hein, c'est la vie, on a l'habitude, hein, des petites techniques qui se font pas tcher, et puis voilà, d'autres qui reviennent plus tard, bref. Mais c'est vraiment déjà pas mal hein, d'économiser 15 balles là-dessus. Non, plus que 25-30€ hein, pour le coup. On aurait pu économiser un peu plus. Mais c'est pas grave. Du coup, je vais tester. Je vais vous dire ce qu'il en est. Est-ce que j'ai effectivement payé ces 48€ ou pas hein. C'est que l'amitié coûte cher quand même. Hein, Stasi, hein. Allez, hein, on se revoit juste après le paiement. Hein. Oh. On a un petit problème, hein. Le marchand n'accepte pas les paiements dans votre devise. Retournez sur le site du marchand et choisissez un autre mode de paiement. Je vais essayer d'aller sur PayPal pour changer ma devise, hein. On va voir ce que ça donne. Eh bien, nouvelle technique. Je suis juste allée sur mon PayPal tout simplement et j'ai rajouté la devise avec les couronnes tchèques. Et maintenant, on va voir si ça va prendre en compte ou pas. Petit suspense, on va voir, hein. Et je vous dis ça. Ouh, ok les gars. Donc c'est bon, j'ai payé dans les 48€ pour un an Star VIP et comme même vous dire, du coup j'ai pris une carte cadeau, donc je n'ai pas pu payer par PayPal, même en changeant de devise, ça ne fonctionne pas, du coup j'ai dû payer directement par carte bancaire, mais avec la carte bancaire, ça fonctionne les gars, ça fonctionne, donc voilà, profitez-en parce que bon, ça risque d'être sûrement patché étant donné le nombre de vidéos sur YouTube sur le sujet, donc ça a déjà été patché une fois, c'est possiblement bientôt patch une deuxième fois, hein. Donc bon, voilà, pour un an Star VIP, 48€ environ, un truc comme ça. Et du coup, je vais activer la petite carte cadeau, donc j'ai fait un petit copier-coller, on va faire ça, on va utiliser le code. Je vous avoue, je me suis un petit peu chiée dessus parce que quand j'ai mis le code, comme vous voyez le petit message rouge, le code que tu as entré n'est pas valide. Pour pouvoir avoir un code, tu dois acheter une carte cadeau. J'ai eu un petit peu peur, du coup maintenant j'ai un joli message dégueulasse et qui me cache mon pack VIP, hein, du coup mon, non pas le mien, du coup celui d'Emstasy. Du coup pour faire la couleur, ça va être un petit peu compliqué. Alors, j'ai demandé du coup à Emsta sa couleur préférée, elle m'a dit le rouge. Magnifique. Bah je suis désolée Emsta si tu vois cette vidéo, du coup tu verras bien que je vais essayer de m'appliquer pour faire quelque chose de bien. On va mettre celui-ci il est pas mal. Mais étant donné que je ne vois pas grand chose, hein. Ça c'est quoi, je sais même pas c'est quoi la deuxième couleur quoi, c'était du bleu. On va mettre du rouge plus foncé au pire pour voir ce que ça donne. Comment vous dire, c'est compliqué. Non, on va mettre... On avait mis le premier comme ça. Et le deuxième comme ceci. Hein. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Hein. De toute façon, il est pas beau ce pack. Hein. Donc, dans tous les cas, c'est pas bien grave. Mais bon, c'est un petit peu chiant quand même. Hein. Ici, alors, le... Ok. Ça, c'est la couleur des petites oreilles. On va mettre ça comme ça. Et l'intérieur, si on met du rouge plus foncé, c'est un peu bizarre, non? Si on met du rouge plus clair, genre comme ça. Ouais, comme ça, ça passe en vrai. Les petites oreilles de lapin de l'intérieur. Est-ce que... Ouais, on peut changer aussi la couleur des vaches. Je vais peut-être laisser comme ça la couleur des vaches, hein, parce que je sais pas trop quoi mettre. Comme ça, ce sera moitié blonde, moitié brune, on sait pas trop ce que c'est. Et ce sera déjà pas mal. Bon, je suppose que le truc qui est censé possiblement être au milieu, ce sont les petites chaussures, les petites claquettes. Du coup, on va faire ça comme ça. Hein? Du coup, je pense qu'on est pas mal là au niveau des couleurs. J'espère qu'elle va kiffer ce rouge. Sinon, bah... Tant pis, hein. Tu te démerdes. Voilà. Ok, donc là nous avons du coup des petites couleurs, la petite semaine ticket VIP, donc elle fera comme elle veut Emsta, si elle a envie de le faire gagner sur sa chaîne YouTube, comment elle a envie de le faire gagner, ou bien si elle a envie de le garder ou donner à une pote, je sais pas, c'est elle de voir, mais en tout cas je pense qu'on va laisser comme ça. Ok, elle est VIP, du coup ce que je vais faire c'est que je vais créer son look, je vais faire le petit look...
avec du coup le pack. Qu'est-ce que vous en pensez de ces couleurs? Alors c'est dans le look déjà. Ah là là, créer un nouveau look. On va lui créer son nouveau look. Ok, non ça va en fait. Mais j'ai pas compris c'est quoi la deuxième couleur qu'on devait mettre. Qu'est-ce que ça change? Pour les oreilles oui ça change. Pour le reste je suis pas trop sûre hein. Alors on va mettre ça, hop hop et hop. Voilà. Bah elle est pas mal en vrai comme ça. Elle est pas mal. Marqué pack VIP Jewing. Et on va valider. Voilà, du coup, notre petite hamster, hein. Elle est un hamster VIP, hein. Comme ça, hein, elle est bien. Allez, on en va pour les votes, hein. C'est parti, hein. Bon, bah écoutez. J'ai hâte de voir sa petite réaction pour le VIP. Non, en vrai, la couleur, elle est sympa. On va le porter, hein. On va le porter. Voilà. Allez, je vais lui demander ce qu'elle en pense, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, pour conclure la vidéo, cette technique fonctionne. Donc, actuellement, vous pouvez acheter le 1 an, Star VIP à 48€. Et du coup, ça fonctionne. Donc la vérité les gars, si vous autant acheter un pack VIP, autant prendre le 1 an avec. Donc la petite technique, si vous êtes déjà Star VIP et que vous souhaitez... par contre, attendez, parce que voilà, là je vous ai donné le prix pour le 1 an. Maintenant, si vous êtes déjà Star VIP, que vous voulez prendre le pack mais sans le VIP, du coup ça vous coûterait combien? 555, on va faire du coup le calcul. Ici on va mettre 555, voilà. En gros là pour les personnes qui souhaitent prendre le pack VIP sans prendre le VIP du coup, eh bien votre pack vous coûtera 21€ au lieu de 40€. Ce qui est quand même pas mal d'économies, hein. C'est quand même moitié prix, moins 50% les gars pour les packs VIP. C'est vraiment bien. Bah écoutez, j'espère que voilà, vous aurez le temps d'utiliser cette technique. En général, je ne fais pas de vidéos sur ce genre de technique pour éviter qu'elle soit patch. Mais bien évidemment, maintenant, il faut savoir qu'il y a énormément de vidéos qui sont sorties sur cette technique. Et que dans tous les cas, ce sera patch tôt ou tard. Eh bien, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Des gros bisous et ciao ciao.